Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour quotidienne pour l'or. Alors l'or semble plutôt bien orienté, et il l'est, mais des loupiottes d'alerte commencent à clignoter. Alors commençons par ce qui est positif. Nous voyons que la moyenne mobile, à 20 semaines, est très clairement croissante et joue comme un soutien en cas d'attaque baissière, au même titre que la M7, qui a servi de support à trois reprises déjà lors de ces 3 dernières semaines, puisque ici, 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 à chaque fois, les cours ont rebondi sur la moyenne mobile à 7 semaines, sans compter que avant cela, elle s'est avérée être aussi un guide assez intéressant à jouer pour un trade haussier. Nous avons également un MACD qui a fière allure au-dessus de son signal et toujours croissant et positif, au même titre que le momentum. Seul le stochastique envoie un premier signal de faiblesse puisqu'on passe sous le signal et également sous la zone de surachat puisqu'on est à 72,96, ce qui signifie que l'étreinte des haussiers commence à se relâcher un petit peu. Rien n'a craindre pour l'instant sur le moyen terme, puisque nous sommes soutenus par cette longue oblique de moyen terme qui nous permettrait d'aller même chercher les 1139, hein, par là, sans remettre en cause cette oblique. Il demeure que nous avons une fourchette d'Andrews noire ici qui m'interpelle, puisque nous voyons que depuis qu'elle a été tracée, elle s'est révélée intraitable, puisque cette semaine et également il y a 2 semaines, on n'a pas réussi et nous voyons qu'elle bloque systématiquement les cours. Alors si cette fourchette d'Andrews devait jouer son rôle jusqu'au bout, eh bien elle attirerait les cours sur sa médiane, ce qui amènerait donc l'or à aller chercher au minimum les 1080-1090 dollars l'once. Et puis surtout, en creux, il y a l'idée qu'on casserait cette oblique orange et le support à 1120 et la moyenne mobile à 20 semaines. Bon, bref, autant dire qu'il faudrait que nous l'invalidions assez vite, d'autant que si on sortait de la fourchette d'Andrews noire sans en avoir préalablement touché la médiane, ce serait un signe de force très bon aloi. Voilà. Donc, comment trader l'or sur le moyen terme? Eh bien, si vous voulez acheter l'or, spéculer à la hausse, plusieurs solutions. Soit vous faites ce qui a si bien marché depuis 2 mois, à savoir acheter en cas de contact ou d'enfoncement de la M7, stop loss en cas de clôture en dessous de la M7 ou en cas d'atteinte de la perte maximale autorisée pour un trade. Objectif, dans un premier temps, aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews noire et puis pourquoi pas le top absolu à 1249 là. Vous pouvez également attendre un contact hypothétique avec la moyenne mobile à 20 semaines et l'oblique orange, c'est-à-dire vers les 1145 en cas d'attaque baissière. Par contre, si vous voulez shorter l'or, trader à la baisse, spéculer à la baisse, eh bien je pense que la plus évidente des solutions, c'est de shorter le contact avec le haut de la fourchette d'Andrews noire, stop loss en cas de cassure en clôture de cette fourchette d'Andrews noire, donc au-dessus. Objectif, eh bien, soyons ambitieux tant qu'on est baissier, allez chercher la fameuse médiane. Voilà. Personnellement, si je n'étais pas déjà investi sur l'or, je privilégierais néanmoins les trades haussiers pour l'instant. Bonne soirée, bon trade et à demain.